Eh bien, salut tout le monde, c'est Dark and One. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je ne sais pas pourquoi je viens de mourir sur ma partie Medieval Craft, qui est, comme son nom l'indique, une partie médiévale où je me réveille dans une petite maison, dans la seule maison qui existe pour le moment. C'est juste ma maison de construction avec un grand coffre. Attendez, je peux pas avoir mon son. Ah, voilà. C'est bien. Voilà, avec le lit, une poubelle, un frigo, des fours, des plantes, un petit lavabo, une poubelle de l'infini, plutôt dangereuse, qui tombe dans le vide en fait, avec une porte géante. Voilà. Bon, c'est pas très médiéval tout ça. Faut que ça arrête de laguer un petit peu. Je laisse un petit peu le monde se générer sous nos yeux. Je crois que c'est par là. Après, je sais plus. Il y a des petits lags. C'était dans l'autre sens. C'était par là-bas. Donc voilà, une petite maison toute simple. Ah voilà, c'est par là avec un petit cratère. C'est un genre de cratère pour les sacrifices. Voilà. Pourtant que ça se génère tout ça, mais logiquement c'est par là. Comment ça se fait que je trouve plus mes... Pourquoi je ne trouve plus? C'est fou. Quand même. C'est pas ouf. Pense à ça, je ne retrouve plus comme ça. Bizarre quand même. Bon, bah j'ai fait une petite ellipse le temps de retrouver. On se retrouve tout de suite après. Eh bien, re tout le monde. En fait, c'était juste là où vous voyez une de mes tours pour le moment. Voici. Oh, désolé. Voici mon skin. Alors, ça, je vous montrerai plus tard ce que c'est juste là, le petit passage. Là. Voilà, je laisse un peu charger. C'est juste que je le voyais pas, ça. Là, il y a une des tours. Pour l'instant, j'ai pas fait grand chose parce que ça a été très long déjà de faire ceci. Voilà, voilà. Ici, il y a un deuxième tour. Là, encore une muraille. Voilà. Ici, il y a encore quelque chose. Voilà, je fais charger. Voilà. Bah, on va commencer ici. Si ça veut bien descendre. Voilà. Hop. Désolé pour les petits lags. Je vais remettre le jour aussi. Time set day. Ah ok. Donc, du coup, ce que je vais faire pour les commandes, c'est que je vais faire ça. Commande oui, créative. Ouvrir au réseau local. Voilà. Slash. Hop. Time set day. Voilà. Donc ici, la maison du fermier. Voilà. Une belle petite maison. Ici, c'est pour mettre les chevaux de propriétaire. Vous le voyez. Par ici, il y a un mini champ. Et ici, il y a les chevaux sauvages. Voilà. Il y a beaucoup de chevaux d'ailleurs. Là-bas, il y a les grottes. Mais là-dedans aussi, pour l'élevage, il y a un endroit pour mettre des poulpes, petite grotte. J'essaie d'en remettre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il y en a plus. Poulpe. Si vous savez pourquoi il y en avait plus, vous me le direz. Voilà. Ah mais envole-toi.
Ah, au secours. Voilà. Donc ici, il y a un petit chemin qui arrive vers dans la muraille. Hop. Je ferai une grille plus tard. Donc nous entrons, comme ceci, tranquillement. Avec ici une première tour, avec beaucoup de coffres. Rien de tous, rien dedans, par contre, je crois, oui. Et tout ce qui a été fait là a été fait en survie. Je me suis juste mis en créatif pour la vidéo, mais sinon, tout a été fait en survie. Donc, on passe pas ici. Donc, voilà. Donc, c'est un peu les murailles ici. Hein. Vous pouvez le voir. Je vous montrerai ce que c'est après, ça, là. Hop, hop, hop. Voili, voilou. J'essaie de me dépêcher un petit peu quand même. Et au fait, n'hésitez pas à aller voir la chaîne de Fripouille 23. Je ferai des vidéos avec elle plus tard. Voilà. Là, c'est pour tirer. J'ai pris l'idée des escaliers pour mieux tirer vers le bas. Comment il s'appelle déjà? À Roi Louis. Je mettrai sûrement sa chaîne dans la description. Donc, on va retourner dedans. La forteresse, voilà. Donc on passe ici avec les portes ouvertes ici. Voici la forge avec un petit passage secret ici. En fait, il y a un truc que je vous ai pas montré. Ah oups. Ah. Quand on est sur la plaque, il y a juste des petits blocs là qui se lèvent. Quand on est sur celle-ci, il y a la trappe qui s'ouvre dans un petit passage secret. Maintenant, je ferai en créatif parce que survie c'est déjà beaucoup trop long et ça me fait pas beaucoup de choses à présenter. Dans ce petit tunnel que j'ai aménagé. Ça m'a coûté une pioche et demie en fer. Hop. Hop. Attendez, j'ai baissé un peu la musique. Voilà. Regardez, est-ce que c'est bien la musique que j'ai baissée? Non, c'est le volume principal. Voilà. Voilà, ça suffira. Et nous voilà revenus ici. Là où il y avait le passage secret. Et... voilà. En fait, j'ai fait comme si c'était quelqu'un qui était dans une prison, qui avait creusé un tunnel jusqu'à la forge. Et pour s'échapper. Voilà. Donc on va repasser dans le petit tunnel. Hop, 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 hop. Voilà, voilà. Désolée si je commente pas beaucoup et que je commente pas très bien, c'est que bah voilà, je suis pas commentateur professionnel, je viens de commencer, donc c'est pas toujours simple. De commenter comme ça quand on débute, donc voilà. Mais et merci de ne pas trop critiquer car bah je viens de débuter et Fripouille 23 pareil, donc voilà.
On est des débutants, voilà. Ah, mais ferme-toi porte. Je vais vous montrer un petit peu l'entretien que je fais chaque jour sur Medieval Craft depuis à peu près une semaine. Donc tout construire, tout ça m'a pris à peu près un mois. Mais je parle de s'occuper des chevaux et du champ. Je fais ça depuis à peu près une semaine. Ici, c'est pour mettre les chevaux de propriétaire, donc. Voilà, moi j'ai pas encore pris de chevaux. Je les laisse un petit peu gambader et j'irai voir un petit peu après leurs compétences. Donc chaque jour, je dois aller au champ. Me mettre en survie. Ah oui, il faut que je me mette en survie. Slash game. Mode survival, voilà. Je ramasse un petit peu le blé. Voilà. On va ramasser aussi les petites patates et les carottes. Ah, une petite pomme de terre empoisonnée, apparemment. Voilà. Oups, j'ai oublié de replanter les carottes. Voilà. Donc voilà. Et une fois fini le travail, hop, je dois aller dans la maison du fermier. Voilà. Pour mettre mes récoltes. Et si, comme ceci, j'ai des petites pommes de terre empoisonnées, je les prends. Je vois si j'ai fermé la porte, non. Voilà. Je dois aller plutôt loin. Comme ceci. Voilà, c'est ici. Et je dois jeter dans le petit puits. Voilà. Hop, hop. Après les chevaux. Pour voir s'ils vont bien, je dois, rentrer dans l'enclos. C'est plutôt compliqué à ouvrir. Donc voilà les chevaux. Je dois un peu regarder s'ils vont bien, s'ils ont encore de l'herbe. Et s'ils sont tous là. Que je les compte alors. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je vois qu'ils sont tous là. Donc ça veut dire que mon travail est fini pour aujourd'hui avec les chevaux. Je vais essayer de vous montrer pour apprivoiser les chevaux. Donc, je vais sortir du pré. Aussi, ici, comme il n'y a pas encore de chevaux de propriétaire, ils peuvent s'accoupler ici, les chevaux. Donc, je vais rentrer dans la maison du fermier. Venir chercher du blé. Comme ceci. Ah, faut que je me dépêche, le jour va bientôt se coucher. Donc, je sais que j'ai envie d'apprivoiser, par exemple, celui-là. Voilà, il m'aime. Maintenant, je me mets en créatif pour prendre une selle. Face game mode créative. Et je me prends une selle qui est dans transport, voilà, comme ceci. Le voilà, c'est lui? Oui, c'est lui. Voilà, et je dois aussi lui prendre une armure pour le côté médiéval. Armure en fer. Voilà. Là, mon cheval. Que je vais maintenant renommer avec une petite étiquette qui est dans ça. Qui c'est qui fait autant de bruit, dis donc?
Ah, c'est lui là-bas. Bon, toi, ne bouge pas. J'arrive, je vais à la forge. Je me dépêche. Donc voilà les petites enclumes, voilà. J'ai envie de l'appeler Hercule. Hercule. Voilà. J'arrive mon grand. J'arrive Hercule. Il est où? Il est toujours par là. Ok, cool. Cool, cool, cool. Tiens, voilà, Hercule. Ah non, je lui monte un peu dessus. J'ai pas encore fait de parcours d'entraînement, malheureusement. Si vous entendez des petits bruits derrière, c'est normal, c'est mon lapin. Qui fait plutôt de bruit dans sa cage, d'ailleurs. Il boit le petit. Donc voilà, lui, je vais aller le mettre dans le box propriétaire, du coup. Ah, j'ai oublié de lui enlever. C'est l'équipement. Je te laisse mon grand. Donc je dois aller le remettre dans la maison du fermier. Voilà. Non, qu'est-ce que je raconte dans la maison du fermier? Qu'est-ce que je dis moi? Je dois aller le remettre dans les tours, dans cette tour-là, pour... Parce que vu que c'est pas pour le fermier, que c'est pour, on va dire l'armée, enfin les chevaliers, donc je dois le mettre dans le coffre, juste là, avec une selle, sa selle, son armure. Désolée, vraiment, je suis vraiment désolée pour les petits bruits derrière. Hein? Pourquoi tu fais ça, Pitchoun? T'en fais du bruit, hein? Ah, ce lapin. Trop marrant. Donc on va rentrer et on va se quitter. On va rentrer ici avec Hercule. Donc j'espère que ma première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, à commenter, à vous abonner, à aussi à aller voir la chaîne de Frépouille23 et aussi à de Roi Louis pour tous ces bons conseils qu'il nous fournit pour cette ville médiévale. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous laisse et je vous souhaite une bonne continuation. Allez, salut tout le monde!